Messieurs, dames, bonjour. Tout d'abord, je veux donner les excuses de Madame Anne Rottenbühler, directrice de l'Office départemental des anciens combattants, qui ne pourra pas être présente ce soir. Monsieur le conseiller départemental Lionel Jelot, Monsieur le maire, Messieurs, Mesdames les élus, chers amis, chers camarades, c'est au nom de tous les communistes d'Eure-et-Loire que j'interviens, avec une grande émotion. L'entrée au Panthéon de communistes résistants est un honneur pour les communistes et la réparation d'une injustice. Enfin, le rôle déterminant des communistes français de sang ou français de préférence dans la résistance est reconnu. Enfin, la mémoire de ces héros qui ont fait le don le plus ultime à la France leur vie va être célébrée à sa juste valeur. Ce soir, la République française fera entrer au Panthéon Missak et Méliné Manouchian. Il y a 80 ans, en effet, Missak Manouchian et 22 de ses camarades des FTP Moïse, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, étaient fusillés par les troupes d'occupation allemandes au Mont-Valérien et présentés par le pouvoir collaborationniste de Vichy comme l'armée du crime et de la terreur. Ce soir, la France rendra justice à ses résistants et répondra enfin à l'espoir formulé par Missak dans sa dernière lettre à Méliné. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Ce soir, avec Missak et Méliné, ce sont des dizaines de milliers de communistes qui ont donné leur sang pour libérer la France du joug nazi, comme celles et ceux engagés à la sortie de la guerre pour faire vivre l'idéal des jours heureux, le Conseil national de la résistance, qui sont honorés. Le fronton du Panthéon porte la dédicace aux grands hommes la patrie reconnaissante. Ce soir et désormais, la France exprimera sa reconnaissance officielle à cet orphelin du génocide arménien, à ces réfugiés juifs visés comme tels par le génocide en cours en Europe, à ces travailleurs immigrés italiens, espagnols, à ces ouvriers étrangers dont les combats jusqu'au sacrifice ont pleinement participé à la renaissance de notre pays, humilié par la défaite, l'occupation et la collaboration. Ce soir, le président de la République parlera devant un auditoire de quelques centaines d'invités partout dans le pays, souvent à l'initiative du Parti communiste français, des associations de mémoire, des syndicats, d'autres partis politiques s'associent pour donner à cette célébration une résonance populaire et publique, parce que la vie est donc la mémoire d'un peuple, en particulier du peuple français, c'est aussi dans la rue que ça se passe. C'est donc logiquement et symboliquement devant ce monument en hommage à Jean Moulin, lui-même entré au Panthéon il y a presque 60 ans, que la Fédération d'Eure-et-Loire du Parti communiste français a l'honneur de vous accueillir pour participer à un moment d'hommage républicain, national et internationaliste. Missak Manouchian a perdu à 9 ans ses parents dans le génocide arménien. Réfugié au Liban, il choisit la France, où il arrive à 19 ans, mineur donc, parce que c'est le pays des Lumières, de la République, des droits de l'homme. Ses aspirations sont celles même auxquelles le Front populaire, 10 ans plus tard, tentera de répondre. Le pain, la paix, la liberté. C'est de tout temps et aujourd'hui encore ce que veulent tous les migrants, chassés par les famines, les guerres, les dictatures. Il devient ouvrier, poète, amoureux et communiste. Il demeurera indissociablement tel jusqu'au bout. Robert Guédiguian, réalisateur du film « L'armée du crime », dit que le plus beau poème de Manouchian, c'est sa vie. On ne peut parler de Missak sans évoquer Méliné. Méliné
Elle fut l'épouse, l'amour de Missak. Ce fut une communiste résistante jusqu'à la fin de la guerre. Elle écrira « Missak et moi, nous étions deux orphelins du génocide arménien. Nous ne pouvons pas rester insensibles à tous ces meurtres, toutes ces déportations de juifs par les Allemands. » Dans la section MOI des FTP, ses choix de vie et de combat sont largement partagés et l'héroïsme aussi. Tous solidaires, tous actifs dans des attentats qui ne visent que des représentants militaires de l'occupant nazi. Tous affreusement torturés, tous silencieux sous la torture, tous condamnés à mort exécutés, tous dignes et unis devant la mort, tous tournés vers l'avenir de ceux qui leur survivront, vers l'avenir de la France et du monde à libérer de la bête immonde, et tous incroyablement confiants en cet avenir, peut-être parce qu'ils sentent que le sort des armes est en train de tourner. Ils y auront contribué en déstabilisant le commandement nazi en région parisienne. Et Manouchian pousse la noblesse d'âme, ou plutôt la conscience politique, jusqu'à son terme. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine en moi contre le peuple allemand. Au moment de mourir, c'est, dont parlent les strophes d'Aragon mises en musique par Léo Ferré que vous allez entendre, ces 23 criaient la France en s'abattant. Quant à leur camarade roumaine Olga Bancic, elle fut guillotinée en Allemagne le 11 mai suivant, jour de ses 32 ans. Je veux en profiter pour rendre hommage également à Georges Kloharik, qui ne faisait pas partie des 23, mais qui a été fusillé le même jour, au même endroit, que le groupe Manouchian. Georges Kloharik, né à la chapelle de Nonancourt, appelé au STO, refus de s'y rendre, il rejoint la jeunesse communiste, intègre la section FTP-MOI, section italienne, et sera donc fusillé avec le groupe Manouchian. Pour les communistes français, vous le comprendrez, porter la mémoire et l'exemple de ces femmes, de ces hommes qui furent leurs camarades, constitue un attachement et une responsabilité. C'est avec énergie, solennité que les communistes s'y emploient. Au-delà des doutes, des questionnements qu'elles et ils ont pu avoir tout au long de leur route militante. L'important étant de ne pas oublier les sacrifices de ces femmes, de ces hommes et d'en être digne. Mais c'est justement avec vous tous, citoyens, citoyennes, attachés à la paix et à la justice, à la République sociale, celle qui cherche à donner sens et réalité à la devise liberté, égalité, fraternité. C'est avec vous que nous souhaitons partager les valeurs incarnées par ces vies si brèves, si brutalement interrompues, mais si pleines de sens et d'engagement. Voici donc quelques leçons et quelques questions mêlées. Le haut degré de conscience morale de ces femmes, de ces hommes dévoués, héroïques et dignes, jusque dans la mort, peut-il être séparé de leur conscience de classe ouvrière et ouvrier et de leur conscience politique tournée vers un avenir à construire et même surtout dans les pires conditions? Faut-il attendre de tels moments de crise aiguë pour que s'alignent comme des planètes ces hauts niveaux de conscience militants? La facilité apparente des FTP-MOI à penser et à pratiquer simultanément l'internationalisme et leur attachement à une patrie, d'origine ou d'adoption, l'Arménie et la France pour le couple Manouchian, cela peut-il avoir encore un sens et une efficacité face à la mondialisation et au repli identitaire nationalisme qu'elle provoque aujourd'hui? L'absence de haine et la générosité jusqu'au don de soi sont-elles signes d'une sorte de naïveté de l'idéal communiste ou au contraire de l'exigence absolue d'un communiste humaniste? Oui, dans le monde contemporain, pourtant bien bouleversé depuis 80 ans, la simple évocation du destin de Missak Manouchian et des siens résonne puissamment avec ce qui nous tourmente. Le destin de l'Arménie, du Proche-Orient et de l'Europe, la fragilité croissante de la paix sur Terre, les risques de résurgence du fascisme et du nazisme,
sous des formes réélaborées, mais appuyées sur les mêmes leviers du racisme et de la xénophobie, de l'obscurantisme et de la science dévoyée. Bref, la difficulté à penser l'avenir et à lui frayer une voie. Oui, face aux grands défis qui aujourd'hui nous sont posés, nous avons des responsabilités. Les aspirations de Missak Manouchian et de ses camarades de liberté, d'égalité, de fraternité sont plus que jamais d'actualité et doivent être des nôtres. Oui, c'est avec détermination, conviction que nous devons être sans concession avec l'inacceptable, l'insupportable qui, tenace, ressurgit. Pour cela, nous avons besoin d'espoir, le même espoir qui a fait tenir debout les 23 jusqu'au sacrifice, qui criait la France en s'abattant. Cet espoir, il nous appartient ensemble de le construire. Pour revenir à Missak lui-même, sa recherche obstinée d'une place incontestable dans la vie humaine, pour l'amour, la poésie, nous laisse un message éternel. Je terminerai en citant Paul Éluard, qui a écrit un poème pour le groupe Manouchian, qui se dénomme Légion. C'est que ces étrangers, comme on les nomme encore, croyaient à la justice, ici-bas, et concrète. Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables. Ces étrangers savaient quelle était leur patrie. Merci. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureux et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en érivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis
de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 ans. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du bon. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant, pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car personnellement, je ne fais de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et bien chers hommes. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Manoukian Michel. Post-scriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armand. M.M.